est actuellement dans le bus de là où on a rendu le camping-car, direction l'hôtel Seattle. Ça, vous êtes fatigué là, l'énergie sur 10, c'est des commandes. Voilà, 2, 0, moins 2. Non, moi je suis requinqué, je suis à 7 là. T'étais à 2 tout le voyage, j'ai resté à 7. Attention! 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 Il a rougi. Quoi? J'ai pas rougi. Bon les gars, faut que je vous explique un truc là. Il était en train de s'amuser à se jeter une balle de baseball. Jusqu'à là, tout se passait bien. Qu'est-ce qui se passe? En plein dans le mille, frère, il a foutu. Oh là 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 là. Attends, il faut surtout pas marcher avec le mille. Oh là 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 là. T'as cassé mon chargeur. Ça va, les gars. Bon. Non, mais si. Non. Mais frère, faut enlever toute la vitre. Elle n'est venue connue. On le remet, elle n'est venue connue. Voilà, on a pas le balai pour balayer. Si, mais arrête, mais faut tout enlever. Enlever tout le verre. Si tu veux tout enlever, dis-le, moi j'enlève. Vas-y, raccroche. Rattache-le au mur. Parfait, et là. Comment vous allez faire pour nettoyer tout ça? Ouh là là. Non mais Manas, tu refais la même erreur. Oh, je crois qu'il a cassé le tableau. Comment tu as balayé un boom. Nimbus 2000. Au pire, sinon, mais tout le verre sous le lit. Mais là, il y a un nom sous le lit, on va le faire. Mais si, regarde, une fois sous le lit, il capte direct. Il faudra franchement vite. Mais sinon, on le laisse tout seul. Et là, c'est la caution. On le laisse tout ça tout seul. Ça fera un verre solitaire. J'ai de l'attention avec des vannes, quoi. Non. J'ai envie de tout casser maintenant, j'ai envie de casser des bails. Mais Manas, comment tu fais? Comment tu fais ça? T'es un fâché. Un fâché. Malade, c'est merde. Refais le bruit. Non, c'est drôle. Il simule depuis derrière, il simule de ouf. Ah, vas-y, viens le faire, fils de pute. Je vais faire pieds nus, ça fait mal ou quoi? Bah oui, ça fait mal, frère. Vas-y, ah, marche, marche. Depuis tout à l'heure, je suis en chaussure, hein. Ça fait mal. Depuis tout à l'heure, je paye mes chaussures. Ah, il est malin. Il est malin. Non, moi j'ai pas mes chaussettes. Il est malin que le lynx. C'est ça, je le jette sur le tableau qui tombe. T'as cassé quoi? T'as cassé quoi là? Le Benji. Ah! Ah non, on dirait un petit chat. Un petit chat un peu. Bon, pas trop agile. Ah, j'ai du verre dans les mains! Mais gueule plus fort toi aussi, hein! Mais fils de pute! Mais putain, mais Manas! Ça me rend fou les reilles, ça fait une heure que je fais ma valise, la tête de Wam. Je pète les deux fermetures, cousi. J'en ai marre, les deux fermetures. La valise, elle est neuve. J'ai acheté, frère. Il y avait ça, c'était coincé dans la couture. Et j'ai forcé un peu, ça a cassé. J'en ai marre. Neuf, elle est neuve. Elle est neuve, la valise, cousin. Je voulais m'en resservir. Un couturier peut me l'arranger, ça, tu crois? Ouais. Vous savez, ça coûte minimum 60 balles, ça. Arrête. C'est vrai? Déjà, et puis surtout... Qu'on fasse un zip, comme ça? Il faut trouver un couturier avant demain, 7h du mat. Non, mais là, je vais me débrouiller, tu vois. Mais c'est... Il y a une alarme qui s'allumait dans l'aéroport. C'est quoi le bordel? On est attaqué? C'est une alerte attentat. Tout le monde est paniqué et serein en même temps, je comprends pas. Tout le monde est paniqué mais immobile. C'est comme ça. Ah mais ça me rend fou là par contre. Mais comment vous pouvez être aussi serein les reilles? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a la ville de New York qui a explosé. On est les seuls survivants. L'aéroport il est en feu, cousin. Il y a deux avions qui sont crashés, ils sont rentrés dedans. Tu sais que c'est et lui il va commander des pizzas. Des pizzas au feu de bois. Tu sais, je pourrais dormir avec le bruit sans problème. T'es un psychopathe. Il dit quoi? T'arrives à traduire ce qu'il dit en anglais là? Il parle pas là. Il parle pas là? Il vient de parler à 30 secondes, cousin. Je dis mis, je vais tomber dans les pommes là.
je te jure. Ça me fait des ultrasons, j'ai l'impression d'être un dauphin. Ça dure longtemps quand même, personne ne dit rien. Si tu filmes avec que l'image, à aucun moment on se doute qu'il y a du bruit là. C'est vrai. Non mais c'est sûr, ça c'est un con. Comme au collège. Il a appuyé sur le... Il a appuyé, le fils de pute. Ça fait quoi lui? Je l'entraîne à nager. Il n'y a même pas d'eau, c'est pas un, c'est, il y a un incendie, pas une inondation. Il a fait une choré, il a fait un TikTok je crois. Traduit. Elle dit quoi? Traduit. Merci pour avoir écouté. Fils de pute, t'arrives à la fin. Ah, les boys, je vous ai épargné l'avion parce qu'il y avait la mer que c'était un bordel. C'était 7h, frère, on était serrés comme des sardines. On est dans une boîte, fraté. Mais là, c'est bon, on est rentré en France. What? Let's go! What? La France! France? Ah, ça fait du bien, frère. Appuchette. Je vais pouvoir parler français à tout le monde. Appuchette. Je vais parler français à n'importe. Dès que je croise un mec, je lui dis bonjour. Appuchette. Maintenant, c'est bon. Oh, non, attends, j'entends encore de l'anglais. J'entends encore de l'anglais, maintenant, c'est pas possible, on n'est pas en France. Quoi, tout le monde parle anglais? Appuchette. Je me tire une balle, c'est pas possible, il se passe quoi là? Cette nuit j'ai fait un cauchemar genre dans l'avion. En gros je vous explique, des fois je fais des paralysies du sommeil et tout, ça m'arrive souvent les gars. Et là genre là j'ai crié dans mon rêve. Du coup ça, quand je me suis réveillé, j'ai crié en même temps. Et j'ai rêvé tout l'avion genre en mode AAAAAAH. Je sais pas, c'était un cauchemar frère. Genre j'ai rêvé que j'étais un chat et j'avais plus de croquettes dans ma gamelle. C'est ça, c'est... Je suis allé en égal là. Oh, c'est trop là. Il faut arrêter de rouler au diesel là. Hein? C'est la canicule là, faut se foutre à l'électrique un peu les gars. Non? Pensez pas que c'est une bonne idée? Les amis, bien rentrés de notre périple aux States. Putain que ça fait du bien. Parce que je vous jure que l'odeur qu'il y avait dans ce camping-car les amis... Qu'est-ce qu'il veut lui? Tu me pousses toi? Une odeur les amis dans ce camping-car la vie de mer. 5 fauves qui transpiraient H24 toute la journée. Je pouvais vous dire que quand on arrivait dans le désert de l'Arizona les gars, il y avait une odeur de mammouth, de chasub, de vestiaire en cours de sport les gars. Non en vrai les amis, ça fait énormément de bien de retrouver la maison, de reprendre un peu ses activités et tout. Ce qu'on a vécu au States, ça va être incroyable. Le Dilous, il va vous sortir la meilleure saison dont va vous, voire même ses meilleures vidéos. Je suis d'une impatience les gars, mais vraiment c'est fou. C'est très rare quand je fais ça, mais je tenais à vous parler de viewers à youtubers. Sachez en tout cas les amis que vraiment je vous remercie. On a réalisé un rêve, voilà, c'était un rêve commun avec Manas, Sid, Sacha et Marceau. De parcourir tous les États-Unis en camping-car, c'est quelque chose vraiment, c'est le rêve d'une vie. Donc merci les amis, vraiment, 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 vraiment. Vous avez compris, tout le mois de juin, on était aux États-Unis, donc compliqué pour moi de filmer des croustillofs, car sinon je n'allais pas faire un on va où dans le on va où. Je n'allais pas faire des croustillofs du on va où, parce que sinon c'est quoi ça? C'est pas réglo. Faut que je fasse juste une petite pause, hey, après je reprends le discours. Ah, someone like you. Vous pouvez vous désabonner direct, les gars. La chaleur, ça me rend fou, je crois, les gars. Donc, je disais, avant d'aller plus loin dans ce croustillof, il faut que je vous parle de quelque chose. Vous savez, le Benji, il a toujours les bons filons, les petits trucs. Est-ce que vous cherchez l'amour en ce moment? C'est l'été, c'est caliente. Il y a les chicas et les chicos qui sont dans les parages en bord de plage. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais où il veut nous emmener ce Benjos? Fruits, les amis. Quelle autre application que Fruits, mesdames et messieurs, pour pouvoir trouver l'amour, partager un verre ou une soirée cayenne pour cet été? Fruits, les amis, c'est une application de rencontre, mais pas n'importe quelle application de rencontre, car c'est l'application de rencontre la plus fun. Pourquoi? Ce qui est bien avec Fruits, c'est que tu vas pouvoir te désigner comme un fruit pour faciliter les rencontres et te mettre en relation avec des personnes qui ont le même fruit que toi, donc les mêmes envies. Primo, on a la cerise pour trouver sa moitié, voilà, donc ça c'est pour tous les romantiques, les lovers, ceux qui croient encore à l'amour dur comme fer. Ceux-là, je les aime bien. On a les raisins pour boire un verre sans se prendre la grappe. On a pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Donc ça, vous avez compris, c'est genre... c'est cayenne, c'est un plan cul, voilà. Si tu veux un plan cul, c'est pastèque, direct. Et ensuite, on a les pêches. Eux, ils ont pas le temps de niaiser. C'est vraiment direct, go, go, go. Ce soir, on ken. Voilà, les pêches, ils sont comme ça. Ils sont grave chauds. Là, on va se faire mon petit profil ensemble. Donc moi, je recherche hommes et femmes. Sur ça, ça bouge pas. Hop, hop, hop. Choisissez un fruit qui correspond à votre envie. Donc moi, du coup, je vais mettre raisin parce que je suis en couple. J'ai mis ce clic. Je vous jure, je voulais pas mettre ça. Vous choisissez des photos, les amis, bien entendu. Des photos qui vous mettent en valeur. Moi, j'ai choisi les deux meilleures photos de ma galerie. Ne me jugez pas, SVP. On inscrit sa petite bio. Un truc rigolo, tu vois. Alors moi pour le coup j'ai vraiment mis un truc vrai. Car en fait j'avais déjà téléchargé Fruits à l'époque. Et j'avais eu une grave mauvaise expérience. J'avais rencontré ma mère. Très compliqué parce que je me rappelle en plus de ça on avait matché avec ma mère. Coucou maman. Une fois que la petite bio elle est mise là, c'est parti là, ça match à tout, voilà. Tout le monde a ses goûts et ses couleurs, donc on y va, ça swipe à droite, à gauche, et ensuite let's go, place à la discussion. Et ce qui est cool avec Fruit, c'est qu'ils ont déjà préparé des questions juteuses pour mettre en place déjà une discussion. Donc c'est cool parce que d'habitude, tu sais, ça commence toujours par ça va toi? Bah ouais, et après ça se termine là. Au moins là déjà, il y a des trucs juteux, il y a des questions vraiment là qui vont te permettre de rebondir direct, hop hop hop, d'avoir des réparties, c'est trop cool, c'est très très cool. Donc pour tous les donjons, les cupidons, ceux qui recherchent l'amour, toutes les
infos et liens sont dans la description. On y va, on clique. Merci encore à Fruits pour leur confiance, c'est les frérots. Les amis, n'hésitez pas. Moi, maintenant, les amis, je vais prendre une douche si ça vous dérange pas, parce que la vie de la mère, je suis une serviette hygiénique, là, carrément. Je vous fais des gros bisous et à bon visionnage, des gros stiofs là-haut, et on met un like et on s'abonne, vous êtes cru où? Hein? Bon, les gars, c'est bon, enfin rentrer des États-Unis. Dans un état, attendez, vous inquiétez pas, j'ai pas pris l'avion comme ça, je me suis changé. Là, j'ai la dégaine d'un surfeur. Un surfeur tout droit venu de Biarritz. Mais bonne nouvelle quand même, parce qu'au moment où je suis arrivé chez moi, le livreur il sonne. Timing parfait, timing perfecto. Et j'ai reçu mon nouveau bureau pour stream. Un bureau que je vais pouvoir monter et descendre. Ça, c'est parfait parce que je vais pouvoir enfin pouvoir faire des lives debout. Et moi qui suis hyper actif, ultra agité, ça, c'est incroyable. J'ai reçu aussi un nouvel écran. C'est mon premier écran qui dépasse les 75 Hz. Pour un gamer, ça va me changer la vie, les rêves, vraiment de fou. Donc il me tarde d'installer tout ça. Je prends même pas une seule seconde de répit. À peine arrivé chez moi que hop, je me remets direct dans des bourbiers, j'en peux plus. Mais bon, quand le bureau et tout sera installé, ça sera pépita. J'ai un vieux bureau, les rails Ikea, 40€. J'ai mis une patate à l'époque quand je jouais à Warzone. Je l'ai défoncé. Il est ruiné, frère, le bureau, frère. Il tangue, c'est une galère. Je suis obligé de mettre ma gueule du carton. Les écrans, ils sont trop lourds pour lui. Ça va faire du bien de changer de bureau, là. Je vais pouvoir ajouter 2 écrans de plus. Je vais avoir 5 écrans. Ça va être une vraie centrale de caméra surveillance, frérot. La vie de ma mère. Il y a Sachou, il est dans les parages, le gros Sachou. Il m'a dit, frérot, si tu veux, je t'aide à monter le bureau. Let's go, les meubles et moi, c'est compliqué. À chaque fois que je monte un meuble, il est à l'envers, cousin. Donc là, j'espère que ça va le faire. Je vais faire du feu. Un jour, j'avais réussi à faire un feu avec ça. Quand je fais du bricolage, toujours je prends tournevis, couteau, ciseaux, la panoplie parfaite. Oh! On y va, bureau, arena moto, une crème de chez crème, 170 largeur, 110 hauteur, bon allez, je sais pas. C'est lourd ma gueule. On y va. 30. Oh la galère, je suis pas si partout. Oh non. Oh, je sens un truc chiant à souhait. À souhait, mon cousin. Mais la vie de la mère que ça, c'est plus lourd que les planches de bois. C'est quoi, y a quoi là-dedans, frère? Ah, mais c'est vide. Il est vide le carton. Ah, putain, c'est pire, frère. Cousin! Non, mais il faut être obligé d'avoir un meuble minimum pour monter le bureau ou quoi là? Je crois que c'est le meuble le plus complexe que je vais avoir à monter de ma vie. Sacha, viens vite. Sacha! Sacha! Mais je vais monter un palace, un royaume ou quoi là? Un royaume grec? Y'a pas de notice. La tête de ma mère, y'a pas de notice, les rails. J'ai cherché partout, y'a pas de notice. Y'a aucune feuille qui va pouvoir me dire dans quelle vis je mets les trous. Ou l'inverse. Putain, il s'est passé des trucs. Avant que Sacha y arrive, les rails là, faut que je vous raconte. Sacha, il est où, Sacha? Le bureau, le bureau. Non, c'est pas le bureau. Il s'est passé un truc entre le bureau. Non, un nouveau truc que je suis pas au courant. C'est pas grave, mais la vie de la mère, que c'est chiant, très chiant. En fait, si tu veux, j'ai fait des courses et j'ai fait tomber une bouteille d'anis de 2 litres sur le sol. Ça sent le pastis. Ça sent le pastis. Oh là là. Je suis dégoûté, frère. Comment je vais l'odeur du pastis? Reste bien sur le côté, là. Genre, je suis pas sur. Non! Allez, Sacha! Sacha! J'ai enfoui des traces partout! Là, ce que je vois, le mouillé, c'est du propre! Non, non, c'est de l'anis, là! T'as enchaîné tes chaussettes? J'ai enfoui partout. J'ai enfoui de partout, non, Sacha, j'ai pété les plombs! En plus, voilà, c'est tout propre, déjà. Non, mais bah, attends, parce qu'il y avait un tapis, là! J'avais mon tapis. Le tapis rond? Le tapis rond, il est envié d'anis! Et pourquoi t'as acheté de l'anis? Je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais me faire un petit kiff. De l'alcool ou de l'anis? Non, juste de l'anis, c'est de l'anis. T'as bien le. Moi, j'aime bien. J'ai un bout de force. Pour monter le bureau, j'ai 12 minutes. Impossible, j'estime 3 heures. On sache que je resterai pas 3 heures. Non, hein. Oh, mais Sacha, on en a pour 3 heures, la vie de la merde. Je veux que je partir, hein, cousin. Allô? T'es plus là? Oh non. Faut que j'y aille? Oh non, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Putain. Je t'embrasse, hein. Attends, je vais appeler Manas. Benjo's live. Ça va ou quoi, frérot? Nickel, et toi? Ça va de Pékin? Aïe aïe aïe, gros plan sur Sacha. Frérot, dis-moi, je suis avec Sacha là. On est en plein crostie-off. Je suis en train de monter le bureau. Est-ce que tu peux me dire approximativement, t'as mis combien de temps pour le monter? Alors frère, c'était un capharnaüm. Pardon. En vrai, ça doit mettre 30 minutes. 1h30. Fais pas que je te dise, Mathieu. Je chante quand même. Ça va, 1h30 et je suis rassuré là. Oh, j'ai bien fait de t'appeler, frère.
Vas-y mon frérot, bah écoute, je t'envoie une photo quand le bureau il est fini, c'est bon. Vas-y, bisous les frères. Bon, on a réussi à s'organiser, Sacha, il fait la femme de ménage. Et moi, je fais le professionnel de BTP. Tu vois, dès que t'as besoin de moi, tu me sonnes. T'es étonné? Ouais. M'enlève ça, déjà, cousin. On va se faire, je me vais côté, je crois. Ouais, t'as bien. Mais Sacha, tu peux pas abandonner comme ça, mon cousin. Les frères, on est même pas dans le bon sens, là. Ah oui, c'est pas les faire comme ça. Mais oui, on est pas dans le bon sens. On est carrément hors sujet. On est hors sujet, frère. Là, c'est trop en exemple de philo, là, ce qu'on est en train de faire. Ah! Aïe, aïe, ça va? Mais Sacha, mais pourquoi t'as serré? Tu m'as dit de serrer? Les gars, vas-y, explique-leur. Je vous ai dit au début, là, tout à l'heure, que dès que je monte un meuble, je monte à l'envers, cousin. Les meubles et moi, c'est compliqué. À chaque fois que je monte un meuble, il est à l'envers, cousin. Donc là, j'espère que ça va le faire. Je l'ai monté à l'envers, cousin. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, je dois partir. Je dois tout recommencer, frère. Regarde, on était à la plus de la moitié, là. Je passe de 50% à moins 25. Regarde comment je suis rouge, cousin. Je suis en canicule. Dans mon corps, c'est moi la canicule. Dehors, il pleut. Regarde, dehors, il pleut. Il pleut, il fait 18 degrés. Ah, c'est vrai. Sacha, si vous continuez, moi j'ai chaud, frère. Je te laisse, frérot. Je te laisse là. Tout le monde réveillé. Arrête. Tu vas faire quoi, Sacha, ce soir? Je vais avec la mif, hein. Ouais. Avec la mif, hein. Non, mais t'as rien dit qu'il voit tout dans ma bite? Non. T'as mis une petite incrustation de toi pour voir comment t'es quand tu vois ma bite. Vraiment, si t'es à l'aise ou pas avec l'idée. La mère à Sacha, elle a ouvert un magasin à Carcassonne qui s'appelle le Single Copy. Non, on est prêt à porter féminin. Prêt à porter féminin. C'est grave stylé. 61 rue Tribal. Allez-y, avec le code Benjos, vous avez 10%. Et je peux vous dire que la mère Sacha, elle a du style. Donc. Comment ça te calme? Elle vend des habits. Stylé. Sachou. Ah, désolé pour ce moment désagréable. Non, j'ai kiffé en vrai. T'es venu, je t'ai crié dessus, t'as monté à l'envers. Je te laisse avec un bureau monté à l'envers, c'est pire. Bon courage, bonne fête de la musique. Un peu de musique quand même. Un peu de musique en jeu avec toi. J'ai cassé ma tablette sur Fan 3. Genre, je l'ai ouverte, alors l'aéroport était fendé en deux. Fendé en deux carrément? Ouais. C'est un truc de fou. Sacha, j'en ai marre de pas pouvoir parler français bien. T'as vu, je mets le. Toi. Si, je vais en CP, genre avec les autres élèves. Moi, le grand et les petits autour. Ça se fait? Tu crois qu'elle sera d'accord, la directrice? Sacha, je te vois dans l'œil de bœuf. Je te vois dans l'œil de bœuf, Sacha. Oh, c'est la première fois que j'utilise l'œil de bœuf de chez moi. Oh, c'est fou. T'es bien? Non, mais frère. Vas-y, frère, bisous, frère. 21h37. Je suis dans un état catastrophique. Les frères, mon t-shirt, il est rempli de sueur. Il dégouline de sueur. Il est imbibé de transpiration. Le bureau, ça avance à une de ses vitesses, les frères. Par contre, ça, j'ai mis à l'envers. Ça, ça doit aller là. Je dois tout démonter, redémonter, mais heureusement. Y'a les frérots. Domingo, Big Flo, Oli. Je regarde le petit live en même temps là. Je suis ban du chat de Domingo. Domingo, s'il te plaît, déballe-moi. S'il te plaît. Gros big up à Big Flo, Oli. Je sais que Big Flo regarde les vidéos, donc si tu regardes le constitueur, frérot, j'ai vraiment kiffé ce popcorn. Et Domingo, déballe-moi, s'il te plaît. J'en ai marre là. J'ai envie de mettre des Jack Spinou dans le chat, je peux pas. 2h36 du matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le kiff. Je vais pouvoir mettre mon chat là. Nouvel écran pour jouer aux jeux vidéo. Là, mon logiciel de streaming. J'ai monté le bureau. Je vais vous dire pourquoi ça m'a pris autant de temps. Au moins 4 fois à l'envers. J'ai tout démonté, remonté 4 fois. Bref, je suis content. Ça en jette de ouf. Nerei. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire des lives debout et tout, etc. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, vous savez, je vous mets le Twitch ici. Ok les reilles? Les amis, on part sur le tournage de Fiverr. C'est une galère ce tournage. Le problème, c'est que les garçons, ils sont tous énormément pris. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont à Toulouse. Du coup, là, je vais faire la partie de Marceau à Toulouse. Je suis devant la porte. Et je lui ai fait un petit cadeau d'anniversaire, il sait pas. On va lui offrir tout de suite. C'est parti. Ça sent encore la litière de chat. C'est bon. Sacha, il est parti là. C'est vrai? C'est toujours la litière de chat. Ah, parce que tu pensais que c'était Sacha l'odeur? Mais c'est Sacha l'odeur. Ça va? Ça va et toi, frérot? Marceau, je te demandais de te retourner. D'accord? Non, mais t'en mets pas comme ça. Non, sur un Z, tu dois choisir. Tu vois, tu peux te retourner. Tu dois choisir une main. Ah, ça m'a dégoûté. Joyeux anniversaire. Il a choisi une autre main. Attention, c'est pas fini. Y'a rien. Encore, second essai. Y'a vraiment rien. Y'a
Y'a rien. Et joyeux anniversaire. Oh non. Oh non, toi. C'est dedans. Merci beaucoup, Ben Ben. On va pouvoir faire un striker en live. Tu l'as, toi? Je vous reçois demain. Ça va être fou, ça. Ça va être fou. Yeah. Mes amis, là je suis à Minorque, désolé pour la transition un peu brutale. On était au resto avec la señoritas, c'était un vrai bordel. Je sais pas pour qui je me prends, mais j'ai commandé du homard. C'est une première, on va goûter ça. C'était une galère pour manger ça. Il y avait des pinces, des outils de chirurgien. Pour bouffer le homard, j'ai une pince. Là, il faut que je fasse. Ça me dégoûte un peu. Pourquoi on a fait ça? Mais le pauvre, il a 5 minutes, il est dans la corne, je regrette. Et puis, je regrette ce que j'ai fait. Il était là il y a vraiment 5 minutes, il était là, les feuilles. Oui, parce que. Quand même, le frérot, il m'a passé un détachant avec une brosse parce que je me suis tellement taché, frère. Toutes les 30 secondes, j'allais aux toilettes. S'il y avait une nouvelle tache, je frottais pour l'enlever, genre. Au bout d'un moment, il y avait un tube, une brosse. Et je me suis tellement taché les rails que je vous jure, c'est pas grave. Le mec, il est venu avec du détachant et avec une brosse. Il m'a dit dos minutos et après tu frottasses. Oui. Moi, j'ai fait 0 secondes et frottasse de lactasse. Bah oui, mais t'es un peu bêtasse dans ta tétasse. What? Monte. Gracias. Putain, je sais faire mon métier quand même. Le frérot, il m'a dit monte le téléphone parce qu'on ne voit pas. Le frérot, il m'a dit ça. C'est la première fois qu'on goûtait du homard. On a voulu faire les riches à 36 balles le bouillon là. On repart avec un 36 bon... balles par personne, s'il te plaît. 36 balles par personne. Enfin, moi, je compte pour deux jours, on est de droit. On repart avec un doggy dog de homard. Ouais. C'est ça qu'on dit un doggy dog? Un doggy bag. Un doggy bag de homard. Les gens, ils disent bonjour, ils comprennent ouais, pas, c'est moi qui suis. Là derrière vous, il y avait des gens, ils disaient coucou, je filme moi. Ma señoritas, elle dit au mec, ouais, on fait comment pour manger le homard? Il nous regarde, il fait oulala, il y a des travaux. Excusez-moi, j'ai une question, du coup, c'est la première fois qu'on mange du homard. Et comment ça se mange, du coup, le homard? Déjà, je savais que ça allait être une galère. Oui. Et le seul truc qui était bon, c'était juste la sauce, le bouillon. Et le reste, je te jure, c'est le même goût qu'une crevette. On rentre poser le doggy bag d'homard qu'on va jamais bouffer. En plus, on va le bosser, moi, on va jamais le bouffer. On l'offre au voisin, on l'offre au voisin. Attends, ça marche pas. J'ai mis 1€, ça marche pas. Je suis dégoûté. Ah si, c'est bon, il fallait juste que je fasse la mise au point. Mais wesh, on est où? C'est un Nikon ou quoi le truc là? C'est nous qui fait bronze à poil dans sa piscine. Bah regarde pas. Hein? Regarde pas. Je regarde pas là. Bah non. Voilà. Le genre de paysage. On peut trouver un Minorque fraté, c'est pas beau ça. Petite crique, petite plage pleine, il y en a assez fraté. Hein. On n'est pas en bateau nous. Les gars, je sais pas pour qui je me prends, j'ai loué un bateau. Je stresse, on n'est pas dans One Piece mon cousin là. Ça va, on n'a pas abîmé le bateau, c'est juste une histoire d'encre. On a juste niqué notre après-midi, quoi. Les gars, c'est la catastrophe, là. On a fait à peine 20 minutes de bateau, j'ai voulu lâcher l'encre, le mec nous a dit lâchez-le dans le sable. J'ai essayé de lâcher dans le sable. En fait, le problème, c'est que l'encre, elle a traîné jusqu'à se coincer dans un rocher. Ça fait une heure qu'on est là. Tous les bateaux sont venus nous aider, il n'y en a aucun qui a réussi. Donc va nous aider. I'm blocked. I'm really blocked for the all night, for the next year. I'm here. Je bouge pas. De prendre la corde et je vois rien. Tu fais attention, hein. Ouais. C'est les vacances qui virent au cauchemar là. Oh, j'arrive pas à respirer déjà. De toute façon, faut pas que tu respires, tu vas dans l'eau. T'es prêt? Attends, il t'appelle. Vous avez pu parler avec l'entreprise? Ouais, il peut-être qu'il allait couper. C'est le dernier jour, je me suis dit, on va finir en côté. C'est foutu. D'accord. Essayez de faire demi-tour. Il y a des marches arrière. Ouais. On y va bateau. On y va tout doucement. Il sait pas avec quel con il est tombé. L'homme direct. Je vais faire feu, merci.
rentrer dans le voilier. Écoute-toi ce qu'il dit. Ouais. J'ai du mal à sentir la tension. Allez, tirez la corde, tirez la corde. Bon, pour faire un petit résumé, les frères, du coup, le frérot il nous a sorti de la mouise. C'était une galère, je pensais qu'on y allait rester pour la nuit. Hein. On pensait qu'on avait foutu l'ancre dans le sable, mais en fait elle a traîné jusqu'à c'est quoi, c'est, dans un rocher. De la super mouise, je galère pendant une demi-heure avec les mains d'essayer de l'arracher. On croise des mecs qui parlent un peu français, ils nous filent des lunettes de plongée qu'on a gardées d'ailleurs, on les a toujours. On les a pas récupérées. De là, moi, je saute dans l'eau avec mon t-shirt pour récupérer les lunettes de plongée. J'avais pas capté que j'avais mon t-shirt. De là, on croise un mec qui nous dit « Si vous avez un peu de temps, je viens vous aider dans une demi-heure. » Il a porté ses coups, il est revenu dans une demi-heure. Il s'avérait en fait que le mec, il travaillait dans la société de location de bateaux là. Il fait des extras là-bas. Il met des pas, le tuba. Il est venu nous aider, tout, etc. Au bout de 15-20 minutes, il a réussi à décrocher l'encre. Et là, on repart là. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On va essayer de se bloquer ailleurs. Hein. Je sais pas ce que c'est. On va essayer de se bloquer à l'heure. It's incredible, but we have sorry. A little problem. Yeah, yeah. I call away my friend. It's a king, your friend. Yeah. Really. You know, working with us. Yes, he told us. Because he is speaking French. Yes, yeah. Yes. Yeah. Jordi. His name. Okay. Yes. Just swimming. Yes. Yeah, yeah. Very well. Yeah. Yes. Now you safe? Yeah, yeah. Now we safe. Now you look. Yeah. Vous avez pu mettre un visage sur Tahiti Bob, il ressemble vraiment à Tahiti Bob, c'est un truc de fou. Mais trop sympa, genre je sais pas, il a des lunettes, c'est vraiment le surfeur typique avec les cheveux bouclés, j'attends. En fait, Tahiti Bob, il était content, apparemment il a pas crié, on est arrivé à l'heure, tout est bien qui finit bien. On a pu kiffer quand même un peu sur le retour, coucher le soleil, petit bateau. Et Kaizuku Oni Oedo Naro, si vous avez la ref, masterclass. Gros bisous les boys. Les amis, après plus de 10 heures de route, nous sommes actuellement le 15 juillet et nous sommes invités au festival des décharrues. Nous sommes avec les zigotos qui font déjà les bêtises. Tu fais déjà les bêtises, toi? Tu fais déjà les bêtises? Tu fais les bêtises? Tu fais les bêtises? Tu fais les bêtises? Les bêtises? Ça va quoi, Chabé? C'est Koussiaf? C'est Koussiaf? Moi, j'ai Koussiaf, ça fait longtemps, ça fait combien là? Mif? Si j'avais pas enlevé ma jambe là, je t'aurais pris plein fer, cousin. Plein fer, cousin. Là, on va récupérer les badges VIP première classe. Le bibi. Oh, tu dois être beau là avec le ciel. Et oui. Oh là, j'ai envie de t'embrasser. C'est vrai. Ce sera pas maintenant dans le premier bisou. Mon premier bisou. Ah, t'as vu monter? T'as reculé la tête. Ouais, j'ai reculé. Tu me dégoûtes. Pas supporter les coucs à la face. Tu sens le caca, tu sens le caca. Tu sens pas le caca. Tu sens quoi? T'es un menteur. Tout à l'heure, t'as mis la main dans mon froc et t'as dit que ça sentait la douceur. Ça, hein? On arrive à 22h, hein. On a 4 heures de retard. Il nous reste à voir du coup Vladimir Cauchemar, Angèle, Vladimir, Riles, Disney. Disney jusqu'à 3h du mat, ça va péter, frère. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un tournage, je sais même plus comment m'exprimer devant la caméra. Genre, tu me dire ce que tu veux dire. En fait, je sais pas là comment arranger le contenu, la vidéo. Je vois ce que tu veux dire et je m'exprime à ta place. Je sais pas, j'ai envie de faire des trucs, mais pour l'instant là, y a rien qui vient. Je te fous, t'envoies dans le décor. Ça marche ça? Ça marche, trop bien. Mais non, mais non. Mais j'en sais pas. Je pensais pas que j'allais pas. Merci Sacha, c'est ça que je veux. Voilà. C'est ça que je voulais. Merci. Oh non. Oh non. Si. C'est bon, ça passe. Remis. Ça passe. J'ai remis. Oh non. Non, là t'abuses, Sid. Non, c'est pas bien. Faut se faufiler dans la foule. Sid. Faut aller dans la foule. Putain, mais la sang-clé, rentrer le truc. C'est quoi le décor penché là? La sécurité, elle arrive. Arrête. T'as eu peur?
Ah, je suis terrifié par la sécurité. Il y a du monde là. C'est Zombieland. Tout prendra du sens. Et j'essaie. Les amis, vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait à l'hôtel? Ça va vite là, hein? Vous avez pas dit bonne nuit, vous dites plus bonne nuit? Les bisous et tout? Hier, il s'est passé de nombreuses choses. Une petite lumière là? Dans ça là? Ah. Première chose, les bracelets VIP là. VIP première classe, expert premium plus là. Mais finalement, ils nous ont mis les mauvais accès sur le truc électronique. C'était bâtard. Pourquoi ils font pas des trucs à l'ancienne, genre bracelet jaune, c'est les gens qui passent. Ça déjà toi de base. Ouais, c'est peut-être mieux. Bracelet vert, c'est les normaux. Bracelet jaune, les VIP. Ils mettent des trucs électroniques, ma gueule. En plus, j'ai pris une douche avec. Ils me disent, genre, peut-être que. Ah ouais. Non, non, mais ça passe, c'est sûr. Sinon, il y a des gens, c'est-à-dire, genre, ça fait 3 jours, ils se lavent pas. Donc bref, on commence à s'avancer pour aller voir Angel du coup. Sauf que on commence à se perdre. Pas de raison là-bas. On commence à galérer. Et moi j'ai des soucis des amis, vous savez, c'est pas nouveau, d'agoraphobie. Ça veut dire que j'ai peur quand je ne peux pas sortir d'une situation. Donc, ça veut dire que j'ai peur de la foule ou à l'inverse, j'ai peur quand il y a absolument aucune foule à côté de moi et que c'est le néant et le vide total. Et du coup j'ai commencé à ressentir l'agoraphobie. Au début je pensais que genre que je m'étais fait piquer parce qu'il y avait énormément de foule et trucs, etc. Et du coup, quand on est sorti de la foule, j'ai commencé à avoir flou, j'ai commencé à avoir des vertiges, à avoir les yeux qui louchent, tout, etc. Ouais, un gros mal de ventre, tout. Donc, je pensais que c'était ça au début, mais. Donc, T'as peut-être une gastro aussi. Hein? T'as juste la gastro, tu vois? Juste la gastro, ouais, petite gastro, il me dit, manasse. Et bref, du coup, après, on a mangé dans un kebab miteux où on a attendu 30 minutes. 30 minutes, putain, on a attendu 30 minutes pour commander, frère. Et c'est vrai, passé tout fou, j'étais KO, j'en ai allé à l'hôtel et j'ai dormi. Donc j'ai rien filmé de tout ça. Mais aujourd'hui, on va faire un peu plus de trucs. Donc c'est cool, les croustillants reprennent, mesdames et messieurs. Voilà. T'as appuyé pour couper là ou. T'as appuyé? C'est la mort, j'ai coupé. T'as pas coupé là, t'as pas coupé là. J'ai pas coupé là. Non, t'as pas coupé. Non, t'as pas. Attends. Quand t'es plus haut, on peut couper. Ça coupe là, les gars. Attends, mais frère, attends, il n'y a plus les pancartes, il en restait deux d'hier. Ils sont tous enlevés. Oh non. Oh non. C'est triste en vrai. Mais demain on les casse. Les gars, pour courir, on est très en retard. Courir là hein. Ils ont réparé. Ils ont réparé les trucs. Ils ont réparé. C'est les deux qui restaient. Là on est en retard, les gars, parce qu'en fait on doit faire des stories au stand de fromage. C'est pour ça qu'on est venu ici. On avait deux. 6h du mat jusqu'à 18h pour les faire. C'est... On arrive à 17h50. Putain, je vais trop. Genre là, on va courir comme ça jusqu'à là-bas. C'est impossible. C'est la première fois que je cours depuis 3 mois, frère. C'est impossible. Les gars, attendez-moi. Les gars, je me suis pas échauffé les tendons. On allez. S'est caché, mais dis-moi, on s'est caché. Allez, on en veut plus. On en veut plus. Allez, buzz. Non. Putain, je vais dégueuler là. Les amis, faut qu'on cause là. Ça va peut-être en faire rire certains, sûrement. On n'a rien fait les décharges. On est allé au stand parce que on devait faire des stories, on devait faire des animations pour Instagram. Le problème, c'est que c'était très compliqué avec le monde d'y aller. On n'avait pas forcément envie de voir des artistes qu'on avait déjà presque quasiment tous vus. Et puis, il y avait un monde cousin. Tête de ma mère, c'est quoi cette foule, frère? La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Tu peux pas avancer tranquillement. C'était pas agréable du tout. Du coup, on s'est dit, on rentre à l'hôtel. On est rentré à l'hôtel, chacun a fait ses petits montages de story et tout. Et là, du coup, je vais aller voir chacun dans leur chambre, voir ce qu'ils font, les embêter. Hein, on va aller voir Sacha en premier. Je vais aller dans sa chambre. Oh là là, c'est une tête, je vais me prendre des UT, malade. Madame comment? Madame Englebert. Englebert? C'est une vraie pensée à moi. De Paris. Avez-vous révisé la faune et la fleur, monsieur Borg? Page 206. Bien, on va viser l'anatomie, toi, moi. Vous avez visé l'anatomie, monsieur Borg? Page 206. QCM de 10 questions. Attention, coefficient 2. Rentre. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la chambre de toi ici, ça? Moi tout seul, quoi. T'es tout seul? Mais pourquoi t'es tout seul? Ah, ça va bien. Pourquoi t'es tout seul? Si. Parce que j'ai négocié, frère. Et je faisais quoi, là? Parce que j'entendais du bruit quand j'écoutais derrière la porte. Le nouveau sketch de Manu Payet. Il est bon, franchement. Ouais. Il me fait rire. Il parle de quoi? Genre, il évoque quoi dans ce spectacle? Ah, un peu la vie quotidienne, un peu l'alcool des femmes. Des sujets tabous? Les femmes, c'est un grand sujet, mon Benji, toi-même, tu sais. Hein. Ah. Les comédiens, à l'époque où je regardais des comédiens, c'est soit des sujets tabous. Tu regardais qui? Gad Elmaleh. Marrant. Et Nikaku.
trop ancien, j'ai pas tout vu, mais ça va. J'adore, moi par contre, c'est masterclass, et encore des fois, je me fais des compiles du volume 1, 2, 3. Non, les inconnus. C'est marrant, c'est marrant, j'ai pas vu. Je m'appelle Nathalie de Monaco. Stéphanie. T'as pas la vanne, c'est que c'est parce que j'ai pensé à ta mère. Comment ça, tu penses à ma mère? Je sais pas, c'est pour ça, moi, Stéphanie de Monaco. Mais n'importe quoi, frère. Isabelle, allez, je pleure. Bleu les yeux de. Pour répondre à la question. Pour répondre à la question. Non, c'est pour ça que j'ai pas. Hey Manu, tu descends! Pourquoi faire? La banlieue, c'est mon rose. La banlieue, c'est pas rose. Rose, bravo, j'adore. Bien. Mais tu m'as piqué mon yaourt! Frère, il a l'air vraiment délicieux. Ça va vanille, celui-là, frère. Il est incroyable. Écoute, si, est-ce que si je pète dans le bocal? Non, non, non. Non. Oh, j'ai le fou, je pète dans le bocal. Ouais. Je lui mets la main dessus. Je vais voir un garçon et je lui mets dans le neige. Vas-y. Il est ouvrable, je t'ai dit. Il est ouvrable. Oh, t'as de la force. Bouge-le, j'ai pas très fort. Tu veux pas? Non. C'est pas bien, jamais. C'était depuis. Bah, mais non, sachant m'appuyer. Ouais, c'est un truc de fou, comment tu as changé ça? J'ai un problème de maths là. Tu peux rien, ouais. Un problème de géométrie. Oh! T'es chaud de ouf! Elle est en pointe la cuillère. T'as une pété? Bah, pète dehors par contre, pète pas dans ma chambre, c'était chaud. Ça va être fou que Damien, mais c'est incroyable. Moi, ce qu'on va faire, c'est incroyable, frère. Attention, t'es prêt? Ça me dégoûte, frère. Oh! Ah! Vite, vite, garde le bien, garde le bien. Faut foncer, Ben. Ben fonce. Laisse-le, c'est pas grave. Ça fait trop peur, frère. Putain, c'est parti. Ça a pas marché? Oh, je suis dégoûté. T'as pété dedans? C'est ça le gag? Attends. Vas-y. C'est impossible. T'as cherché avec une cam et toi qui arrive pas, mais c'est frère, je veux pas être en vrai truc. Mais t'es tranquille, tu veux toi? J'étais tranquille dans mon lit, tranquille. Les amis, l'heure est grave. On a décidé avec Sacha et Marceau, vu qu'on repart dans le sud, de partir maintenant. Poudre d'escampette. À 1h15. Si des malas, ils repartent à Paris, donc on fait chemin à part. On fait de la pire strat. C'est nul, votre train, elle a aucun sens. On se réveille dans 3 heures, vous allez dormir à 3 dans une maison. On arrive, frère. On arrive, frère. Demain, on arrive, on va être très haut, on va dormir, on se réveille chez nous. Vous avez une fierté au point de même là reconnaître que vous faites un peu de la merde. Là, vous le reconnaissez pas alors qu'on est même pas dans un jeu ou dans un tournage. Vous faites n'importe quoi. Dormez, partez demain matin, vous prenez des petits déj, petite route tranquille, vous discutez entre vous. Là, tu devrais rentrer à tous. Là, on aurait dû rentrer à tous, c'est le premier à dire go. Frère, je te jure ce que j'ai dit à Sacha avant que vous partiez là. Je lui ai dit, frère, si j'avais été avec vous dans la voiture, j'aurais mis mon veto. J'en dis à la même, je reste dormir ici. Mais 8h, mais frère, 8h, là, de nuit. Oui. Les 1h du mat, vous étiez tous à 2 doigts de vous endormir. Il y a 20 minutes, on était un peu dans son lit. Avant, regarde, écoutez, mon scénar. Ouais. Avant 5h du matin, vous êtes tous d'accord, personne ne peut prendre le volant, vous allez dormir. Vous allez vous réveiller vers 8h avec la chaleur dans la voiture. Comme ça. Il y a la clim, il y a la clim. Non, mais par contre, tu dors, enfin, faut laisser tourner le moteur tout le temps. Il a pris, il y avait la nage. On va vérifier. Avec Manas, on se réveille demain. Petit déj, piscine, hop, on prend la route. Écoute pas. Dans le temps, tu ne travailles pas aussi. Oui, peut-être on va se prendre une barrière. Hein? Peut-être qu'avec la fatigue, on va se prendre une petite barrière. T'es fatigué là? Non, là, ça va, je peux conduire 2h. Ah, mais il y a 8h. Frère, tu me dis 2h30. Il y a 8h, frérot. Regarde ce que je dis. Et tu me diras si c'est vrai ou pas. Peut-être je me trompe. Sacha, malgré tout, ce que vous êtes en train d'organiser, il va conduire au moins 5h à 8h7. Tellement! Let's go! Tellement, tout le monde va être KO, personne ne va conduire, sauf lui, il va absolument rentrer. Il va conduire 5h, il va être vénère. Après, il va dire prendre deux volants, tu vas prendre deux volants, toi tu vas être stressé parce que t'aimes pas conduire. Je vais stresser, frère, je vais trembler et tout. Oui, tu vas faire n'importe quoi. je commence déjà à stresser. Ça va être une angoisse. À 1h de tous, vous êtes sur une aire d'autoroute et vous allez dormir 4h. Je connais la strat par cœur, ce scénar, on l'a fait dans tous les pays avec tous les véhicules possibles, on a tout, je connais par cœur. C'est ça que j'aime beaucoup ce scénar à chaque fois. T'as bien ce scénar. Je le kiffe ce scénar. Il me manque. Oh, t'as un dos, frère, là, c'est vrai. C'est une table basse, cousin. Il y a beaucoup de gens qui cassent du sucre dessus. C'est vrai? Pas mal. Mais c'est ce que je leur dis aux gens qui parlent dans le dos. Je me retourne, je leur dis c'est bien, t'es à ta place. Oh oui, putain. Derrière toi. C'est un tweet de Inoxta qui s'affiche juste à côté de toi. Putain, mais putain, tu pètes je vole les trucs aux gens. C'est ça qui a kiffé des déchets. Ouais, j'ai kiffé, frère, franchement. Je l'ai expliqué déjà. Expliqué ce que t'as dit. J'ai expliqué qu'on a vu aucun concert. On a rien vu. On est resté en tout 40 minutes. Entre et t'as fait une crise d'agoraphobie. Tu dis ça? J'ai dit ça. T'as kiffé? Bon, c'était la fin de la partie des vieilles charrues. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour quoi là? Moi j'ai concocté un petit programme là. Ouais. Quand je reviens sur Toulouse la semaine prochaine. Soirée barbecue, soirée jeux de société, rafting, jet ski, plage.
Ouais. Aquaviva. Ça, c'est un beau cocktail pour le Croustiof, ça. Voilà, là, on va te faire du Croustiof, cousin, c'est pété, laisse tomber. Tout ça en une semaine. Let's go, bah, ce sera pour le mois d'août alors. C'est parfait. Tu vas refaire un bisou. Bisous. Yeah. Et merci à Foot. Top of mind, on veut être top of mind. On a plus le temps de bailler. Faut qu'on gère nos bailles, qu'on fasse cette maille. Top of mind, on veut être top of mind. On a plus le temps de bailler. Faut qu'on gère nos bailles, qu'on fasse cette maille. Pourquoi je dors.